Comment vous avez réagi quand vous avez découvert cette ferveur justement en France? Bah, c'était déjà après la demi-finale. Après la demi-finale, quand on faisait les interviews d'après-match, dans les petites télés, on voyait un peu des petits aperçus. Et tout le monde était prêt à exulter. Et on lui a ramené la coupe dans son bureau, donc on pouvait pas mieux faire. 3, 2, 1, she got that. De 32 ans qui va à l'Élysée qui gagne la Coupe du Monde, donc c'est pareil, on a eu la même sensation, la même fierté. Après, c'est sûr que voilà, comme j'ai dit, c'est une sensation unique que je veux revivre. Donc en 2022, on sera de retour, même avant, il y a un Euro 2020. Donc, c'est ça aussi, joueur de haut niveau, c'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est d'aller chercher plus. Donc voilà, l'objectif c'est de encore gagner, gagner, gagner. Et vous pensez déjà à la troisième étoile à la prochaine Coupe du Monde? Il y a du temps encore. Comme je l'ai dit, il y a un euro avant. Mais bien sûr qu'il faudra y penser à un moment donné.